faire ma douche de beurre maintenant. Hein. Allez, c'est bien, c'est top. Allez, c'est bien, c'est bien. Oui, alors le Trail d'Albertville, ben, là cette année, on va courir la 10e édition. Donc, pour l'occasion, on a créé un nouveau parcours qui va être découvert par les coureurs. Donc, le nouveau parcours, c'est 43 km, 3600 mètres de dénivelé. Donc, on est vraiment sur un trail pour les gens qui aiment grimper, hein, un trail alpin naturellement. Et puis, ben, on va retrouver les deux courses classiques, hein, enfin classiques si je puis dire, les Balcons de Mercury, hein, 21 km, et la Belle Étoile, un trail de découverte qui fait 10 km pour 500 mètres de dénivelé. Pour faire fonctionner tout ça, c'est à peu près 160 bénévoles qui vont être sur le terrain les deux jours, et principalement la journée du trail, hein, pour gérer, baliser, assurer la sécurité des trois parcours. Et puis autour des courses, des épreuves chronométrées, il y a tout un concept montagne en fête. Alors l'idée de Montagne en fête, c'est d'offrir aux gens la découverte des activités de pleine nature sur le territoire des pays d'Albertville. Donc on peut découvrir l'escalade, on peut faire de la tyrolienne, on peut faire du kayak sur le plan d'eau, il y a de la highline sur le site de Tamiers, de l'initiation à la slackline, enfin plein de choses qui permettent, ben, de vivre pleinement les activités de nature, et puis aussi d'encourager les coureurs sur le parcours ou à l'arrivée.